Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 29e numéro de la construction du Megazord des Power Rangers. Dernier numéro de Scully, je sais pas quand je recevrai le suivant comme d'habitude. Et surtout, un montage plus court que précédemment puisque là on n'a que un numéro et on va faire juste la pince droite. Du coup, dans le pas à pas, on a la pince, on voit que ça ressemble à ce qu'on a eu dans le numéro 26. Donc le début de la vidéo de la semaine dernière. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous présente Casimir, le nain poète, qui est un personnage qui est présent dans le double épisode L'île des Illusions. Donc là, on a la deuxième partie qui sera présentée dans ce numéro, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Parce qu'il apparaît que dans ces deux épisodes-là. On nous dit qu'il les aide, du coup, les Power Rangers à regagner confiance en eux. Quand ils perdent confiance en eux sur l'île. On a donc le résumé de ce deuxième épisode. On nous présente Lockhart le Terrible. On nous dit qu'il reviendra d'ailleurs dans un autre épisode. Le résumé plus détaillé. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle de Power Morphicon. Donc c'est une convention sur les Power Rangers qui a lieu tous les 2 ans. Moi je pensais que c'était tous les ans. Mais voilà. Qui a lieu tous les 2 ans, et il y a celle de 2020 qui n'a pas pu avoir lieu, donc qui a lieu l'année dernière. Et au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu celle de 2022, du coup, qui a été faite le week-end dernier, du coup, le dernier week-end d'août. Donc voilà, donc rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du numéro 29. Globalement, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous les connaissez déjà. On va essayer de faire mieux que la dernière fois, ce qui va pas être très dur. Du coup, on y va pour le déballage des pièces. On a toujours notre griffe 1, notre griffe 2, notre griffe 3, notre avant-bras droit. Dans les pièces en silicone, pas du tout en silicone, on a la pièce intérieure de la griffe 1 et de la griffe 2. Et on a la connexion à l'avant-bras. Et en plus de ça, on a de nouveau les anneaux en plastique, en silicone cette fois-ci par contre, les anneaux en silicone. Et dans le sachet de vis, on a, nouveau sachet de vis, on a les rondelles, des vis PB et des vis PM qu'ils ont nommé PB parce qu'ils sont pas très doués. Donc on a des vis PM qui sont grises et des vis PB qui sont noires. Ils n'arrivent même pas à s'y retrouver avec leur nomenclature toute pourrie. Failli faire une bêtise. Du coup, on commence. On prend la griffe numéro 1. Celle-ci dans laquelle on met ça. On vient visser avec une vis argentée. On vient ensuite prendre ça. Ça. Là, la pièce au-dessus, on met un rond en silicone ici, on met ça et on remet un rond en silicone, on met ça. Et on met une vis dorée avec un anneau, une vis argentée, grise. Voilà, là ça tient mieux que la première griffe déjà. Ensuite on vient de l'autre côté,
On n'oublie pas, comme la dernière fois, le petit anneau. Ici. On vient mettre la pièce de l'avant-bras. On l'attache avec une vis noire. Ici, on vient mettre ça. On met la vis métal. Hop, et on vient faire l'instant critique. On met l'anneau, on vient emboîter les deux pièces. Bon, on a les deux sont un petit peu écartés, mais globalement ça va. Et surtout, je trouve que ça bouge bien mieux que l'autre. Enfin, du coup, ça bouge pareil. Mais c'était beaucoup plus simple à faire, bizarrement. Et du coup, c'est tout ce qu'il nous restait à faire. Donc voilà, on a notre petite griffe droite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt. Et surveillez peut-être la vidéo de la semaine prochaine, ça pourrait être surprenant. Salut !